Bonjour tout le monde, je vous présente mon nouveau nail art rose, mon nail art effet océan, facile à réaliser. Alors, pour commencer, sur la plupart de mes ongles, j'ai appliqué mon thermogel qui change de couleur en fonction de la température extérieure. À l'application, il est bleu électrique et si on le trempe dans de l'eau chaude ou s'il fait un peu plus chaud dehors, il devient bleu ciel et offre un magnifique dégradé de couleur. Une fois mon gel appliqué, j'ai sorti ma peinture acrylique blanche, mon pinceau liner et j'ai commencé à réaliser en fait des sortes de lianes avec des épines. Jusque-là, rien de bien compliqué. Au lieu d'utiliser un thermogel, vous pouvez tout simplement prendre un vernis thermique, c'est le même effet. Après avoir terminé de dessiner mes lianes, je suis venue tracer trois roses. Trois roses blanches avec la même peinture acrylique et le même pinceau. Comme j'avais oublié d'appliquer ma couche de top coat matifiant avant de travailler, j'ai à peine dilué ma peinture blanche pour être sûre qu'elle accroche bien sur mon gel. Une fois mon nail art terminé, j'ai sorti mes strass bleus que je suis venue coller au milieu de mes roses avec une goutte de top coat. Puis pour faire tenir le tout, le top coat effet gel de chez Adopt et c'est quasiment terminé. Pour montrer l'effet de mon gel, j'ai fait exprès de le tremper en fait dans de l'eau chaude pour que vous puissiez admirer le dégradé de couleur qu'il offre. Vous n'êtes pas obligé de le tremper dans l'eau en fait, il suffit que la température extérieure change légèrement, qu'il fasse un peu plus chaud pour qu'automatiquement on ait ce magnifique dégradé de couleur. Et voilà, mon nail art est terminé. Tendance facile à réaliser pour un résultat girly. Plein de bisous mes anges et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Des bisous.